m'appelle Eric Séné, je suis médecin coordonnateur de la cancérologie sur les établissements privés de Nîmes. Dès 2010, on a mis en place l'activité physique adaptée pour les gens qui sont en cours de traitement de cancer et pour des gens qui sont en rémission de cancer. On leur a proposé de venir avec des amis ou un membre de la famille afin de garder un lien avec des gens qui ne sont pas touchés par la maladie. Et on leur a proposé de faire une activité physique simple, adaptée à leurs conditions physiques, afin d'être plus à l'aise dans leur corps et dans leur tête. On a demandé à un club de sport d'aider ces gens à sortir un peu du contexte de la maladie. De suite, nous avons eu un engouement important. Beaucoup de gens se sont inscrits, beaucoup de gens sont venus faire du sport. On les a aidés à se sortir un petit peu de leur milieu de soins. Et donc deux fois par semaine, on leur a proposé de faire un petit échauffement, des exercices physiques, des étirements, et puis des exercices respiratoires, des massages, un petit peu de méditation, sans rentrer dans des concepts farfelus, on va dire. Et c'est l'ambiance de l'activité physique chinoise. L'association de Kung Fu s'appelle France Shaolin Nîmes. C'est elle qui, dès le départ, s'est engagée avec nous dans cette activité physique adaptée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un programme de recherche. Les gens viennent sur leur bon vouloir, ils ne sont pas obligés à, ils payent une petite cotisation annuelle, en échange de quoi ils ont une carte de licencié sportif. Donc ce sont des vrais sportifs, comme d'autres activités physiques. Je m'appelle Gilles Grignotto, je suis professeur de Kung Fu de l'association France Shaolin depuis 5 ans. Je pratique les arts martiaux et le Kung Fu Shaolin depuis une dizaine d'années. J'ai passé un certificat de moniteur il y a 3 ans. J'enseigne ici dans le cadre de l'activité physique adaptée. J'essaie de proposer des cours variés du Kung Fu, du Tai Chi aussi et du Qigong, mais aussi des exercices d'assouplissement avec des étirements et échauffements musculaires, cardiovasculaires. Ouais, c'est ça, très bien. Super. Allez, je suis derrière les éléphants, c'est la marche des éléphants. Et on change. Un. Deux. Marche. Tour.
fait pas mal. Restez souple et restez dans la respiration, c'est important. C'est là où l'étirement porte ses fruits, c'est quand il est dans la respiration. Ne restez pas abattu, ne restez pas trop longtemps. On inspire. En plus de tout le bien-être que le groupe nous a apporté, c'est un plaisir de partage. Oui, surtout après une maladie, on a besoin de reprendre confiance en soi. Ouais. Et le fait de voir d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes, on se sent un petit peu soutenu. Et de ce fait, on a envie de faire de mieux en mieux. Mmh. Résultat, on en a un bénéfice. Et on se sent bien en sortant du cours, on a l'impression qu'on revit. Parce que on se sent bien, on a chaud, on est content d'être tous ensemble. Et puis on se dit, on est reparti dans la vie, on se sent bien, on continue. Et ça, c'est important. Quand j'arrive à faire un exercice jusqu'au bout, quand j'arrive à le faire mieux que je ne l'ai fait les fois précédentes, je suis fière de moi. Je pense que le résultat, c'est uniquement notre bien-être. On n'a pas un résultat sportif, on a un résultat de bien-être. On a juste besoin de se retenir. Ah oui, tout à fait. Ça fait marcher la mémoire, ça fait retrouver un peu d'équilibre. Voilà, parce que dire que les profs sont mis à se sont vraiment mis à notre. Ce sont deux cours différents, mais deux cours complémentaires. Parce que dans l'un, on cultive sa mémoire, on essaie de retenir les gestes. Et l'autre, par contre, il est plus. Voilà, c'est ce qu'on dit. Christiane qui dit donc on cultive sa mémoire, mais c'est vrai. Un mouvement qui au départ nous semblait difficile et puis dur à atteindre, et en fin de compte, on s'aperçoit à la fin qu'on est allé jusqu'au bout et on sort, on est fiers de nous, on est contents. Oui, comme dit Jocelyn, entre notre départ et notre arrivée maintenant, on a fait des gros progrès. D'énormes progrès. Ouais. Inspire. Et la respiration normale avec monte le genou. Ouvre. Pose. Largeur des épaules. On ne demande pas de nous surpasser. On nous demande de prendre plaisir à se faire. Donc, on essaye de prendre plaisir. Et quelquefois, même si on est fatigué, quand on arrive, on sort de là, on n'est plus du tout. Pointe de pied devant. La jambe de derrière avance. Oh, on fléchit sur les genoux. Talon levé derrière, je regarde dans ma main. Comme s'il y avait une fleur dans la main. Ça aide. 2, 1, 2, 3, boum! Un tour! Tournez! Ça serait bien! Allez, ici! J'ai réussi! Ce que l'on ressent après un cours perdure sur plusieurs jours. Nous gardons une forme physique et psychique sur plusieurs jours qui nous permet d'attendre patiemment le cours suivant. Ce qui nous permet d'avoir un état d'âme et physique, un état d'âme et un état physique
je dirais, favorable. Non seulement le groupe, mais ce bien-être persiste à plusieurs jours. Et ça, c'est très important. Ça me divertit. Allez, on essaie de le faire. On part sur le côté, bâton à droite. Regarde devant le mur. Sous le bras, un. Sous le bras, deux. Attaque encore. Sautez, vous sautez. Pour vous, deux. Trois. Marche. Reviens. De gauche collé. Tourne. Regarde derrière, attention le dos. Forcez pas trop. Un. Attaque. Relâche le dos. Dos rond. Ramène les poings. Inspire. Un. Il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise, il y a 5 piliers de soins. Bien sûr, bien connus, l'acupuncture et la phytothérapie. Très connus aussi, la nutrition et l'alimentation. Et les deux autres piliers de soins en médecine traditionnelle chinoise sont la gymnastique et le massage. Donc, Kung Fu étant chinois, nous sommes dit que ça pouvait aider les patients à sortir de leur milieu de soins et de l'ambiance de la maladie. Concentrez-vous sur votre respiration. Donc la partie du chi, elle est aussi dans ce qu'on mange. Il y a une partie qui est originelle, celle qui vient des parents, d'accord, c'est ce qu'on nous a transmis à la naissance. Il y a une partie qui est en fonction de ce que vous faites dans la journée et de ce que vous mangez. Voilà. Et tout ça va sur les reins. En premier, c'est lui qui va après générer. Après, bon, c'est plus compliqué que ça, c'est grosso modo, mais les reins sont très importants. Dans les études scientifiques, on sait que l'activité physique adaptée peut aider pour plusieurs raisons. Ça améliore la condition physique de la personne, ça diminue son anxiété, ça augmente son estime de soi et en fait, psychologiquement, les personnes vont beaucoup mieux. On s'en est rendu compte dans l'activité physique adaptée parce que beaucoup de patients qui étaient là dès le début du sport adapté sont toujours présents actuellement et viennent faire du Kung Fu deux fois par semaine. On s'est rendu compte que leur condition physique s'est améliorée de manière très importante avec une souplesse récupérée alors que les traitements peuvent être ankylosants, peuvent être douloureux. On sait que la douleur due au traitement est diminuée par la douleur due au sport. Alors bien sûr, on ne leur demande pas de faire un sport intensif, mais on leur demande, comme je leur disais, de suer au moins une goutte. Tous les sports sont adaptés à l'état physique pour aider la personne dans le cadre de ses soins et après ses soins. Expire. Donc l'activité physique adaptée à la situation, à l'état clinique, hein, à l'état de santé, existe pour le cancer, mais existe aussi pour d'autres types de maladies. Toutes les maladies chroniques peuvent être intéressées. Je pense au diabète, avec l'effet du sport sur la vascularisation, dans le cadre du pied diabétique par exemple, ou du mal perforant plantaire. Dans les maladies chroniques comme l'obésité, peut exister aussi pour des gens âgés. On fait aussi maintenant activité physique adaptée pour les seniors. Ce qui permet aux seniors d'avoir faire un petit peu de gym. Alors on leur présente de manière, pour ne pas leur faire peur, on leur dit que c'est de la gymnastique douce. Mais il se trouve que chacun à son rythme peut progresser dans l'activité physique adaptée et devenir de plus en plus résistant. Allez.
Regarde devant, cherchez l'angle. Inspire. Appuie un peu, pas trop fort. Ça chauffe. Expire. On va le faire avec. À gauche, à droite, ça fait du bien. En montant les épaules, ça relâche les tensions. Je suis tiré. Je vais taper, c'est pas facile. Ce qui est important, c'est que ça modifie grandement la qualité de vie des gens, de par une insertion dans un lien social, avec le fait de croiser des gens qui sont porteurs de la maladie, mais aussi les accompagnants, et puis de discuter franchement d'autres choses que de la maladie sur le tatami ou dans les salles de sport. Ça, c'est un point qui était très important et qui nous a amené à proposer cette activité physique adaptée. Au niveau des pattes, des pieds devant. Ouais, voilà, c'est ça. Super. Ouais. Vas-y, hein, c'est génial. Bravo. Allez, on avance là, oh. Doucement. Il ne pas derrière. Faites que la moitié. Très bien, c'est bon. Après.